Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver eh bien, dans cette nouvelle semaine pour commencer, pour débuter cette nouvelle semaine. Et nous commençons un nouveau mois. Et nous sommes le mois de mars. Nous sommes lundi 4 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, pour commencer ce mois de mars, je commencerai par la petite philosophie du matin et puis je prendrai une carte dans l'oracle angélique et je terminerai par l'affirmation positive. Et la petite philosophie de ce matin, eh bien, gardez en tête que le temps nous est compté et qu'il ne faut pas tarder à accomplir ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. C'était la petite philosophie de ce matin. Et la lame que j'ai pigée dans l'oracle angélique, c'est l'ange de la tendresse, waouh, la tendresse, c'est le toucher, le geste affectueux, l'empathie. La tendresse, qui peut vivre sans tendresse? Ce n'est pas normal de vivre sans tendresse. La tendresse, ça peut être un regard, un geste, un mot. Les personnes isolées sont en manque de tendresse. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à toi. À toi qui m'écoutes, seras-tu celui qui offrira sa tendresse bienveillante aujourd'hui? Je vais t'inviter à distribuer des gestes de douceur et des câlins aux personnes qui font partie de ton entourage, de ton univers. Tu sais, chaque être humain, chaque animal sur terre a un besoin vital de tendresse. Prends ton chien, ton animal, ton chat, il a besoin de tendresse. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Hein? C'est exactement pareil. On ne peut pas vivre sans tendresse. Alors, je voudrais aussi que tu saches que celui qui se ferme à la tendresse, eh bien, est celui qui en a le plus besoin. Le toucher et la tendresse, ce sont des moyens les plus naturels, n'est-ce pas, pour apaiser les maux du corps et de l'esprit et soulager les tensions, communiquer son affection et remplir son âme d'étoiles, c'est tellement important. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, encore une fois, qui es en train de m'écouter, et je vais t'inviter à être cet ange de tendresse pour les personnes qui t'entourent, mais aussi pour toi. Crée et multiplie des instants d'éternité que procure la grande puissance du geste affectueux. Maintenant, aie de la tendresse pour tes parents, pour ton parent, ta maman, ton papa, ta grand-mère, ton grand-père, ton enfant, ton ami, ton amoureuse, ton amoureux. Voilà, sois aujourd'hui cet ange de tendresse pour les autres et évidemment aussi pour toi, n'est-ce pas? C'est tellement important. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple accolade ou d'un simple câlin. Ne le sous-estime pas. Pour celui qui va le recevoir, c'est tellement important.
et c'est ainsi que tu pourras peut-être te connecter à l'âme de l'autre et ressentir l'amour profond, la consolation, l'abandon rassurant. Tel l'enfant dans les bras de, eh bien, tout simplement de son parent, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ayons de la tendresse pour toutes ces personnes qui sont autour de nous et pour nous-mêmes. Quel beau message pour commencer cette semaine. Je termine avec l'affirmation positive. Je m'apporte tout l'amour et la douceur dont j'ai besoin. Je m'apporte tout l'amour et la douceur dont j'ai besoin. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message angélique. Et d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse tout fort, et je vous dis à demain.